C'est désormais officiel. Le processus électoral nigérian a finalement donné un vainqueur. Buhari Muhammadu du parti d'APC a obtenu 15 191 847 votes. Aboubakar Atiku du PDP a obtenu 11 262 978 votes. Au siège de la campagne électorale du principal parti au pouvoir, l'APC, l'humeur du candidat a capturé l'humeur du moment. Lors de son discours de remerciement, Buhari a parlé sur un ton fédérateur alors qu'il cherche à unir une nation divisée selon les lignes des partis. Je voudrais lancer un appel exceptionnel à mes supporters. Sans se vanter ou humilier les oppositions, la victoire est une récompense pour vos efforts. Il a également regretté les nombreux morts durant les élections. Je suis très attristé par les pertes humaines survenues lors des élections. Les agences de sécurité renforceront leurs efforts pour protéger les électeurs dans les prochaines élections. La victoire de Buhari pourrait signer la fin des élections nigérianes qui ont été marquées par un report tardif et des accusations de mauvaises pratiques électorales. Le report de l'élection est imputé au faible taux de participation aux élections dans certaines régions où seulement 18% des électeurs registrés ont voté. La victoire de Buhari a mis fin à une saison de campagne frénétique.